vous ne connaissez pas encore PUMS, la chaîne grand public pour une meilleure santé ? Allons faire un tour dans l'envers du décor pour comprendre les raisons de son succès. 5, 4, 3, 2, 1... Pour pouvoir tourner des émissions PUMS, en fait, toute l'année, il faut être en contact avec les experts, avec des journalistes, avec des équipes techniques. Donc c'est un travail minutieux. On est d'abord une chaîne universitaire. Si on transmet de l'information erronée, on n'a pas joué notre rôle d'enseignant. Notre premier rôle, c'est de fournir une information juste. Bonjour Flore. Bonjour Boris. Alors tous des experts de la santé, hein. il y a des médecins, il y a des paramédicaux, il y a aussi des chercheurs dans le domaine de la santé. Ils viennent là parce qu'ils veulent communiquer l'information, ils veulent communiquer le savoir, ils veulent aider les gens à améliorer leur santé. Et ça c'est possible parce qu'on est une équipe géniale quoi. Le secret d'une bonne préparation, c'est vraiment tout checker en amont. Typiquement, sur 6 jours de tournage, là, on a tourné 31 émissions et il y a à peu près 300 médias qui sont diffusés. C'est une équipe soudée, prête à s'entraider. Et en fait, c'est comme dans un orchestre, tout le monde doit être sur le même diapason. Il y a une personne qui donne le la et tout le monde suit. Et à partir du moment où il y a moteur... 4, 3, 2, 1... D'arriver à cette insuffisance rénale et on va vous donner des conseils. Et le premier conseil... À ne jamais baisser les bras, en fait, quand on a un projet comme ça, parce que c'est... énormément de questionnements, énormément de problématiques, en ayant en tête effectivement l'aboutissement d'un projet à plus long terme. On sait que c'est pas facile, on sait que bah, ça demande énormément d'investissement, qu'il y a beaucoup de monde, que ça engage les gens, d'arriver à amener tout le monde dans le même état d'esprit. Régulièrement depuis 4 ans, un staff de 24 personnes se réunit et travaille de concert d'après un plan de travail millimétré. Le souci du détail, qu'il n'y a rien de pire que de réaliser, de mettre autant d'énergie dans une réalisation, en amont et même pendant la réalisation, et de se dire on laisse passer un petit détail qui déséquilibre une image. Pour être encore plus proche et sur le terrain, la chaîne s'invite sur les différents pôles de l'université, comme ici, à l'UFR STAPS. Attention, on recommence. C'était tôt. Allez, un peu de silence s'il vous plaît. 5, 4, pour les retrouver, 3, comme dit Boris, s'abonner à PIMS et la prévention. 1. On s'en rend compte, notre cœur bat très fort.